Ouais, parce que t'es arrivé au début juillet. Je suis arrivé au début juillet. Ah, bah, juste avant la solitaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, Victor! Ah bah merci beaucoup. Ouais, d'accord. C'est bon ça. Mais là tu me la montres aussi ta pédale. Tiens, regarde. Bravo. Et eh ben merci beaucoup. Bravo, ça me fait trop plaisir. Magnifique. Je suis trop content que vous soyez là. Merci. Et alors, plaisir. Il a un goût exquis. Non, il est hyper bon, le rhum là. Et puis celui que je viens de faire, il a un goût de plein. Il a plein de goûts. Des goûts de difficulté, des goûts de bonheur, des goûts de beauté. Mais dépassement de soi, enfin tout ce que j'étais venu chercher, je l'ai trouvé, je crois, à ce moment-là. Alors aujourd'hui, il y a eu plein d'états. Là, tout de suite, super calme, super content, super fier. J'ai eu un état ce matin où j'étais arrivé, j'avais l'impression, dans ma tête. En fait, pas du tout. Et tout ce tour de Guadeloupe, là, c'est un truc de fou. Ça m'a mis dans tous mes états. Donc j'ai eu un peu de colère, un peu de joie, un peu de tristesse, un peu de tout aussi. Ouais, le bateau est en super état, je suis hyper content de ça. J'ai abîmé quelques voiles, malheureusement. Parce que j'étais tout fier. En plus, il y a deux jours, je disais à mon père au téléphone, j'ai encore mes trois spies, je suis trop content. Et juste après, j'ai déchiré mon grand spi. Donc bon, ça arrive. Et sinon, non, le bateau est en super état. Il y a des petits détails, mais rien de fou. De toute manière, au Canal des Saintes, je ne m'attendais pas à ça, mais si le bateau n'était pas en bon état, il passe pas. Hein, là. C'est terrible cet endroit. Non, pas du tout. Là. Quand j'arrivais de loin, je voyais un monde de fous. Je me demandais. Et je ne sais toujours pas qui c'est, parce que j'ai les flashs dans le visage, donc je ne sais toujours pas qui est là. Il y a quelques personnes de La Réunion qui sont venues, peut-être plus que je ne le pense, a priori. Et des amis, et puis voilà. Eh bien, j'ai pensé à la question déjà. Je m'attendais un peu à ce qu'on me la pose. Et je me suis dit, il n'y a pas vraiment un souvenir que je peux garder comme ça seul. Je dirais qu'il y a vraiment plein d'étapes à cette transat. Et il y a eu la sortie de la Manche déjà, qui était, pour moi, c'est resté ancré dans ma tête. Un truc de fou, un peu horrible en même temps, parce qu'il faisait froid et ça faisait un peu peur. Il y avait des cailloux partout. Mais je me rappelle des feux de mât partout autour de moi.
et de regarder qu'un bateau il est à 3 minutes devant moi, mais qu'il faut quand même que j'aille dormir un peu, donc j'allais dormir 2 minutes en me disant au cas où s'il s'arrête, j'ai quand même le temps de l'éviter. Donc je faisais des petites siestes de 2 minutes. Ensuite il y a le front, enfin les fronts qu'on a passé là, où c'était quand même assez chaud. Moi ça m'est arrivé de fermer un peu les yeux sur ce qui se passait autour, d'enlever les afficheurs avec les chiffres de la météo, etc. Et de mettre un petit film et de m'enfermer en bas avec ma TPS en disant j'espère que ça va passer et que ça va tenir. Et après les alizés, que pas du tout comme ceux que je connaissais sur la Jacques Vabre l'année dernière. J'ai un souvenir très franc d'alizés avec des grains, une énorme houle et des surfs dantesques comme j'ai jamais fait, qui durent plus de 30 secondes. Enfin des surfs énormes, quoi. Voilà. On va dire que je retiens ça. Et l'arrivée du tour de l'île qui est, on va dire, inoubliable aussi. Ça passe, ça passe. ça passe vite quand tout va bien, ça passe doucement quand tout va mal. Enfin, en fait, ça dépend du moment, ça dépend de mon état d'esprit. Parfois, je me dis, quand je suis trop content, je me dis, ouais, il reste que 4 jours. Quand je suis un peu dans une phase basse, je me dis, oh là là, il reste 4 jours. Donc ça dépend des moments. Mais franchement, la solitude, ça m'a pas dérangé. J'ai juste découvert un peu des émotions. Enfin, d'habitude, je suis très stable en émotion, et là, je me suis trouvé très variable. Et c'est pas dans mes habitudes, donc j'ai juste découvert ça chez moi. Bah, avec plaisir, j'ai bien aimé le faire. Après, malheureusement, mon antenne est tombée en panne. Du coup, j'ai arrêté d'écrire. Donc depuis une semaine, là, j'ai quasiment plus donné de nouvelles.